Hello tout le monde, Sir Fornas. Alors on se retrouve pour un autre tuto parce que j'ai vu que ça marchait bien et que c'est vrai que des tutos comme ça on en voit tellement mais il n'y en a pas d'éclair. Donc je vais tenter de vous expliquer un clair qui est, comme c'est marqué dans le titre, comment réussir à cacher son dossier, n'importe quel dossier. Vous mettez ce que vous voulez, hein, je suis pas maître. Donc vous créez simplement un nouveau dossier. Je suis pas sur Mac, hein, j'ai juste installé le thème Mac. Je trouve qu'il est plus reposant, etc. Donc voilà. Ensuite, c'est très important, vous cliquez droit, vous faites renommer. C'est là que la manip devient un peu délicate. Vous appuyez sur Alt et vous maintenez. Vous cliquez sur 0160, appuyez sur Entrée et voilà. Votre dossier n'a plus de nom. Vraiment plus de nom. Alors maintenant, pour ceux qui ont un minimum de pimp, ça devient très très simple. Personnaliser, changer d'icône. Voilà. Dans tous les Windows, que ce soit enfin de le plus ancêtre, on a 4 cases blanches. Vous sélectionnez la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième, j'en ai rien à foutre. Vous faites OK, appliquer, OK. Et il a disparu. Il est bien là, hein. Notre dossier est toujours là. Hein. Vous pouvez y stocker tout ce que vous voulez. Il a juste disparu. Alors ça peut être très très pratique pour cacher ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, je l'ai déjà dit. Et attention. Disparition de Steam. Attention, réapparition de Steam. Ah ou non. Ah non. Enfin bon bref. Donc prochain tuto certainement bientôt ou prochaine vidéo bientôt en fonction de de mon humeur. Si je trouve un truc intéressant sur le net, je vous montrerai. Donc prochaine vidéo bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bye.